Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 48e épisode de mon Let's Play sur le jeu Mountain Blade Warband saison 2. Alors, je vous avais laissé la dernière fois, et ben on avait fait quelques petites bastons, on avait surtout... C'était surtout un peu écharpé avec quelques... Avec quelques adversaires. Et du coup, ce qu'il faut encore qu'on fasse, c'est s'entraîner, récupérer de nouvelles unités. Parce que là, comment dire... Parce que là, j'ai laissé toutes mes unités dans ma grande ville, en garnison. Et il faut que je recrute de nouvelles pour pouvoir en relaisser du coup dans la grande ville, histoire qu'elle soit encore plus sécurisée. Et en même temps, pour m'entraîner tranquillement, essayer d'augmenter ma réputation, la taille de mon groupe. En fait, c'est surtout ça ce qu'il faut. Parce qu'on arrive à la fin. On arrive à la fin, il me manque 4 unités. Et on pourra atteindre la taille maxime, enfin les 100 unités dans mon groupe. Et on aura réussi ce let's play. Ce qui sera pas du luxe parce que ça fait un petit bout de temps que j'y joue. Même si ça m'éclate, ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'épisodes. Je pense que pour la prochaine saison, s'il y en a une, je ferai des épisodes de 30 minutes, ça sera quand même plus simple. Ah, Sultanat des Serranides et Royaume d'Hérodoc ont fait la paix. Bon. C'est à la fois bien et à la fois pas bien. Il faudrait que j'aille à Dirim. Allons à Dirim. Ah, je suis pas à côté quand même. Allons à Dirim. Ah, merde. 32 contre 45, allez. Tenez vos pauses. Renommée associée de 8. 31 contre 31, c'est pas mal. Alors, on va commencer à les écharper. Il y a l'air d'avoir beaucoup d'archers. Ah oui. C'est plus que beaucoup d'archers en fait, il y a juste que ça. 117 points de dégâts, mais je suis un monstre. C'est vrai que j'ai changé de canasson. J'espère que celui-là est mieux. Toc. Bon, ça commence à saouler un peu là, qu'il y ait que des flèches. Parce que du coup... Ça fait quand même mal, donc hop, chargé. Ah, dommage. Hop. Voilà, ils sont impactés là, j'aimerais bien lancer genre un truc explosif, ça serait très très bien. Ah, peut-être qu'il y aura dans le Mountain Blade 2 Bannerlords. Ah oui, quoique. Je suis pas sûr qu'il y ait la poudre à canon dans le prochain Mountain Blade qui a l'air juste absolument génialissime. Je crois pas en fait. J'ai vu des vidéos où il y avait des unités de siège beaucoup plus poussées, des catapultes, des trucs comme ça, mais je n'ai pas vu d'unités nécessitant la poudre à canon. Alors après, peut-être que ça sera implémenté à coup de mode, à coup de ce que vous voulez. Mais pour l'instant, je ne crois pas. Voilà. Bon, on arrive au bout. Allez, avancez. Il en reste 4. Ah. Bon, par contre, faut que j'arrive à les toucher.
Allez, ça y est, c'est la victoire. Je sais pas combien j'ai gagné en renommée. 6. On va capturer ces prisonniers. Des trucs à vendre, c'est très très bien. Du coup, s'il faut que j'aille à Dirim, je crois qu'il y aura un tournoi. Les tournois, ça rapporte masse renommée, ce qui est très très bien. Donc, faut vraiment que j'y aille. Oui. T'es content? T'es content. Alors, plein de milices soidiens. Les soidiens, ça donne des unités à cheval, je crois. Hein. Je crois que les chevaliers soidiens, c'est des unités à cheval qui sont très très bien. Oh, t'énerve pas, toi, je vais peut-être te virer finalement. Kharghit Khanat contre Royaume des Nords. Et évidemment, c'est juste à côté de chez moi. Oh là là. Ah ah! Un tournoi. Eh ben, on va se le faire le tournoi. 45 à 7. Je crois que je suis tellement. Je suis tellement connu qu'au final. Ils me font plus trop confiance. Enfin, ils me font tellement confiance au niveau de la baston. Aïe! C'est quoi? Voilà. Allez, reviens là. Je veux ton épée. File-moi ton épée. Ah ah. Allez, j'arrive. Je viens vous défoncer le crâne. Puis ça sera bien. Le mec, il s'est tellement pas tiré. Boum. Genre toutes les flèches. Oui. Alors, deux équipes avec trois combattants. Évidemment, je vais m'en trouver. Ah non, ça va en fait. Ah, c'est pas mal ça. Ah oui, mais c'est complètement abusé. Des unités à cheval contre des unités sans cheval, déjà. Parce que c'est quasiment une barre de vie en plus, hein, l'unité à cheval. Hein. Alors, même s'ils ont des boucliers, c'est pas forcément très sympa pour les unités à terre. Voilà. Allez, viens là, toi. Ah bah, c'est bon. Alors, sans denier, nana. Deux équipes avec trois combattants. Oh! Tuez-moi! J'aime pas cette lance. Allez, je vais lui foncer dessus. Voilà. Il reste toi. Voilà. Tout est bon. 280. Allez. Voilà. Pas compliqué. Deux équipes, deux combattants. Bande d'abrutis. Tiens, reste là. Reste là. Allez. Voilà. Ça y est, tu la bloques.
C'est bon. Deux équipes avec un combattant dans chacune. Oh la vache. Vous étiez obligé de nous faire ça. Voilà, attendez, je tire globalement très mal. On va se rapprocher. Ah bah oh. Tout d'un coup, si on se rapproche, l'autre il tire super bien, bizarrement. Et voilà. Ça, c'est ce qui s'appelle enchaîner quelqu'un avec un petit couteau. Voilà. Boum, renommée augmentée de 18. Bam, voilà. Alors, dame bidule qui... Ah, excusez-moi. Ouh là là. C'est sans doute une des premières fois que j'éternue en enregistrant une vidéo, mais c'est pas grave. Alors, oui, voilà. Oh, c'est vrai que j'ai des... Ah, zut, planté. Détérioré. Bon, ça reste à 7, c'est pas mal. Enfin, voilà. Taverne, là, il y a un voyageur, on s'en fiche. Y a... Ça fait quoi, les voyageurs, déjà? Ah oui, c'est vrai, c'est pour les... Les héros, retrouver les héros, savoir où est-ce qu'ils sont. C'est la place du marché, le marchand de biens. Ah là. Des trucs à vendre. On a pas mal de petits trucs à vendre. Ça, c'est bien. Nina. On va acheter du pain, des céréales. D'accord, je crois qu'il y avait trop d'articles vendus. On va essayer de regrouper un peu tout ce que j'ai. Voilà, c'est bien. C'est très très bien. Donc, évidemment, je suppose que Almar va être attaqué. Vu que c'est le Kargit Kanat, donc les violets. C'est pour ça qu'on va recruter des unités. 97, plus que 3. L'école de Tatsamesh est terminée. On va du côté d'Almar. Je vais regarder le rapport budgétaire et monétaire. 15 000. 15 000, nom de Dieu, ça fait beaucoup. Ah et par contre, il y a effectivement les soldes d'Almar qui continuent. C'est-à-dire que toutes les unités que j'ai à Almar, ah bah, elles me coûtent. Ah ouais. Ça, c'était pas indiqué dans mon contrat. Bon, alors, ça veut dire qu'il va falloir se balader plutôt par là-bas. Oh, 15 000 deniers, mais c'est complètement pété. Il va falloir se balader quelque part par là-bas. Faudrait qu'on aille chercher des unités un peu ailleurs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer ici. À coco, il y a des petits groupes d'ennemis repérés près de Almar. Petit groupe. Attends. On va attendre ici un certain temps. Voilà. Alors, on va aller voir s'il n'y a pas des unités là-bas. Mais on se méfie. Dirim est assiégé. Caravane du Kargit Kanat dans le coin, c'est pour être intéressant de les attaquer. On récupère des unités. C'est ça qui est intéressant. C'est des recrues Saranides, j'en ai jamais encore essayé. Alors, on est à 57. C'est pas des superbes unités, mais. Mais ça pourrait être intéressant. Alors attendez, Dirim, est-ce qu'elle est assiégée? Encore. Ok. Il y a 168 unités ici.
Gerrisbourg. Pas beaucoup d'aménagements. Et quoi la taverne? Rançonneur, nickel. Tac. Alors, il y a un voyageur, un Firentis. D'accord, bon, voilà, encore un héros. Donc, clairement, l'objectif des héros, il est réalisé. Des recrues, Firentis, on va le monter. Non, compétence. Tu es bon en... Bon, c'est un guerrier, en fait, c'est un guerrier classique. Firentis, on va le monter. Voilà. Bon, alors, tout ça me dit pas comment est-ce qu'on peut gérer le truc. Alors, le Kharghit Khanat. Oh merde, ils ont récupéré le château de Derchos. Où il était déjà eux? Non, non, ils l'ont récupéré. Le Kharghit Khanat, ils ont. Ce qui m'embête, c'est qu'ils ont des châteaux un peu partout. Ils ont pas beaucoup de grandes villes. C'est ça qu'ils essaient d'en récupérer une. Dirim, en l'occurrence. Là, c'est chaud parce que. Château de Rendi, il y a des petits groupes d'ennemis. On va aller voir ce qu'il y a là-bas. Ah, attendez. Oh oui! Ah, je vais trop lentement. J'allais dire que ça aurait pu être intéressant de se les faire. Des troupiers saranides. Ça aurait pu être intéressant de les faire, mais. Voilà. Ils sont partis. Ils m'ont vu. Alors, patrouille près de Emirim. Royaume des Vaegir et Khanat ont fait la paix. YOLO. 231 contre 45. Allez, ça fait une renommée de merde, mais au moins on est peinard. On a combien? 12. Ça fait 42 contre 31. Ah oui, c'est vrai que le Kharghit Khanat, c'est des gens des steppes. Donc ils sont bourrés d'unités à cheval. Et ça va être la lose totale. Si on arrive à... Enfin, pour se battre contre eux, ça va être vraiment compliqué. J'avais complètement oublié ce détail. Donc pour arriver à se battre contre eux efficacement, c'est chaud, il faudrait pas mal de lanciers. Ils ont très peu d'unités à terre. Voire pas du tout en fait. En l'occurrence, à les 45, et bah, il n'y en avait pas un seul qui avait les pieds au sol. Voilà. Il y a de l'archerie montée. Ouais, ça va être assez compliqué de les battre, je sens. Enfin, pas ce groupe-là, mais le Kharghit Khanat. Nouveaux ennemis sont arrivés. Il reste 19. Allez, reviens là. Alors lui, je sens que c'est le chef. Je sais pas pourquoi. Je sens que c'est le chef. Ah, non, c'était le lancier Kharghit. C'était pas le chef. J'ai cru. Ok, chez nous on a 4 blessés, 8 près. Ah, il est pas avec moi lui. Alors, il reste-t-il des gens-gens? Oui. Il reste des gens-gens un peu partout. C'est la grosse. C'est le foutoir total, cette baston. Je sais que d'habitude ça tourne un peu en rond au milieu d'un cercle où on explose les ennemis, mais là. Là, c'est n'importe quoi. Ça fait 20 minutes, on va continuer un poil quand même. 4 blessés chez nous, c'est bien.
Bon, il a réussi à s'échapper. Ce n'est point grave. Donc on va garder ça. 29 deniers, c'est ridicule. D'accord. Bon alors, faudrait choper le château de Dercios. Sauf que je pense que ça risque d'être compliqué. 106! Ah oui, 106, c'est quand même beaucoup. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Ils vont acheter le château de Derchos. Eh ben, on fera ça dans le prochain épisode, je sens. On va les accompagner et on assiégera le château. Voilà. Bon, bah. Voilà, on va conclure là, du coup, cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et moi, je vous dis à dans 3 jours pour la suite de ce Let's Play. Allez, salut tout le monde!